petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un village HDV7. Et le cratère de ce village est 2.718281822VA. Ce village, je l'ai trouvé sur le site clashofclansbuilder.com. Le lien de cette page sera dans la description. Avec ce type de vue. Et nous allons maintenant voir un petit peu ce que permet ce type de vue, par exemple. Donc, on voit d'abord, on va d'abord parler du village. On voit qu'il est plutôt symétrique. L'HDV est plutôt centré, malgré qu'il soit un petit peu décentré pour mieux centrer les ressources. Les ressources sont centrées au maximum, bien protégées. Voilà. Ensuite, à part le liquide noir d'ailleurs. Voilà, ensuite. On va voir ce que permettent ces 5 boutons. Donc on va voir Toggle Range. Donc c'est comment va être englobé le village avec les défenses en fait là. Donc on voit que ça englobe tout le village à part le bout du laboratoire. Au niveau des drop zones, de la drop zone plutôt, on voit ici les endroits où les troupes peuvent être déposées de la part de l'adversaire. Ensuite. Ici, on voit les dégâts aériens que vos tours peuvent infliger. Donc on voit que ça couvre la presque totalité du village. Ensuite, on va voir les dommages qui sont pas de zone. Voilà. Donc on voit que ça couvre aussi la presque totalité du village, à part le laboratoire. Et maintenant, on va passer aux dégâts de zone. Donc on voit que ça couvre la presque totalité du village aussi. À part quelques bords, et puis le laboratoire et ce bout là. Voilà, donc là, on vient de voir le village depuis cette vue là. Et maintenant, je vous laisse directement avec le speed building qui vient juste après. Voilà.